Je crois que je vais profiter au maximum de cet hôtel et pas sortir de la journée. J'ai seulement pour deux nuits, je pars demain dans un autre pays et je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Donc je pense que je vais profiter au maximum de son confort, de son peignoir, de ses serviettes, de sa piscine, de sa salle de sport. Je vais vivre l'expérience 5 étoiles en entier. Ouais, donc normalement je me suis fait livrer du pain de mie et du chocolat parce que c'était moins cher de se le faire livrer de loin que de l'appeler au room service. Voilà. Bah voilà, là on y est là, parfait. Il est pas en train de commencer à pleuvoir là. Ah non, c'est pas cool, s'il pleut, je peux plus faire le malin dans ce hamac, merde. Bon bah du coup, je vais faire le malin sur ce fauteuil, mais ça fait moins Instagrammeur, c'est assez dommage. Et je pense que c'est qu'une petite averse, je vais pouvoir y retourner assez rapidement, j'espère. Il est un peu nul ce chocolat. J'aimerais aussi un peu de soleil parce que comme ça je serai obligé de bronzer. Alors que s'il y a plus de soleil, j'ai aucune excuse, il faut que j'aille à la salle de sport. Et je repousse quand même vachement ce moment parce qu'en lendemain de soirée. Je suis pas hyper sûr que ce soit une bonne idée d'aller au sport là, tout ça. En plus j'y suis pas allé depuis 3 semaines maintenant, donc de toute façon j'ai plus de corps. Tant manger des chips et du chocolat. Bon bah parfait, il fait beau maintenant que j'ai mangé 2 tablettes de chocolat, un paquet de chips. Je vais pouvoir aller nager. Après tout la natation, on pourrait aussi compter ça comme un sport, ok? En fait il s'avère que le prix au bord de la piscine est beaucoup plus abordable que le prix au du room service. Je croyais que c'était la même carte mais pas du tout. Du coup j'ai pu me permettre quelques frites. Promis je vais essayer d'aller au sport. Mais bon 1,50€ dans le beach club face à la mer, j'ai l'impression que j'aurais raté quelque chose si je les prenais pas. J'ai obligé de profiter de l'offre et puis ça va, c'est un 4h, bon ça passe. J'ai passé la journée à planifier la suite du voyage. Et après avoir fait ça, j'ai bronzé et essentiellement checké mon Instagram pendant des heures. J'ai l'impression que quand on vieillit, chaque année passe de plus en plus vite. Mais j'ai découvert sur Instagram qu'il y avait une raison apparemment. Apparemment c'est parce que plus le nombre d'années grandit, plus chaque année représente un petit pourcentage de notre vie. T'as aussi intégré un graphique stylé ou pas là? Parce que je suis pas du tout sûr d'y arriver en sortant la vidéo le même jour. Ouais, j'ai pas réussi, ça m'étonne pas. Bref, mais apparemment il existe apparemment un moyen pour que la vie ralentisse un peu et qu'on ait moins l'impression que les années défilent comme ça à toute vitesse sans qu'on ait le temps d'en profiter. Et apparemment cette solution c'est d'augmenter le nombre de nouvelles expériences. Parce qu'à chaque fois qu'on doit faire une nouvelle expérience, on doit s'adapter à une nouvelle situation, découvrir de nouvelles choses et du coup on s'en souvient mieux. Et c'est vrai que du coup c'est pour ça qu'on se souvient mieux de son premier date ou de son premier amour que du cinquième. Et c'est aussi pour ça que je me souviens mieux des premiers 6 mois à Dubaï que des années qui ont suivi, puisqu'après j'étais rentré dans une petite routine, tout ça, je m'étais habitué, j'étais moins émerveillé. Et même si on en a pas l'impression, c'est vrai qu'avec la routine, les années défilent de plus en plus vite. Alors que par exemple ce dernier mois où j'ai fait que voyager, bah au final j'ai multiplié les première fois à Bangkok, première fois en Thaïlande, première fois sur les îles paradisiaques de Thaïlande. Et en plus ça m'a permis de rencontrer plein de personnes qui font que des trucs que j'ai envie de. Je suis pas souvent jaloux, mais la bande de gars qui ont passé l'hiver en Bolivie, là dans le désert de Sel, Buenos Aires et compagnie, je suis un petit peu jaloux. Parce que même si j'ai déjà beaucoup voyagé pour mon âge, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont vu beaucoup plus de trucs, fait beaucoup plus de choses. Et je suis pas jaloux, mais ils me font un peu envie, j'ai un peu envie d'être à leur place. Et j'en ai pas rencontré qu'un ou deux comme ça, il y en a vraiment tout un lot. Je pense que c'est la première journée où je suis vraiment tout seul toute la journée, où je parle à personne, mais sinon... Tous les autres jours j'étais avec des gens. Bref, mais du coup demain on se tire d'ici, déjà parce que mon visa va expirer de toute façon. Et ensuite parce qu'il faut que j'aille voir un nouveau pays et j'ai quand même pas mal de trucs à voir vu le retard que j'ai accumulé face aux autres. Il va falloir partir vers de nouvelles aventures, mais pour l'instant il va falloir partir surtout vers la salle de sport pour éliminer ses frites. Allons-y. Yeah. Non, mais alors j'étais chaud pour aller au sport, d'accord? Vous le voyez à main nue et tout, j'étais prêt à aller courir, prêt à aller en découdre. Malheureusement il s'avère que la salle de sport de mon immeuble est fermée et qu'il faut aller à celle d'à côté, ça me semble beaucoup trop compliqué. Donc j'ai acheté des chips. Les 3/4 de mes abonnés sont maintenant là après m'avoir vu manger des Pringles. Dans un short. Et là devinez quoi, j'ai trouvé des Lay's à l'algue. Bon voilà, le TikTok est fini. C'est un peu dégueu mais la consistance est bien. J'ai quand même les bouffer. J'aurais donc mangé du chocolat, des chips, des frites, des chips. Ça aurait été une journée autour de la pomme de terre. Comment on a trouvé un métier. Pour le faire, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et tout de la regarder d'un coup. Comme ça, ça permet de tout de la regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je trouve un métier.